Salut les entrepreneurs, c'est Julien Vard de l'Africom Academy. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours consacrée au prix. On demande l'une des meilleures opportunités business e-commerce pour 2019, pour 2020 et pour les années à venir, surtout sur un marché francophone. Et puisque l'on est sur un marché francophone, je vais vous présenter ici une excellente plateforme pour vendre sur un marché francophone. Il s'agit de Tuntu, qui est une plateforme française. Pourquoi est-ce intéressant de vous présenter une plateforme française? Puisque les entrepôts sont en France, du coup les produits sont fabriqués en France. Vous allez donc pouvoir expliquer dans votre marketing, dans vos descriptions, etc., expliquer à vos prospects que les produits sont 100% français. C'est très intéressant et très important même de vendre cette image du Made in France, parce que le Made in France est très vendeur aujourd'hui, et même au-delà du marché français, sur le marché européen déjà, le Made in France est très vendeur, puisque c'est gage de qualité. Certes, les produits sont légèrement plus chers que si vous utilisez des plateformes américaines, mais au moins, vous avez du Made in France et ça, c'est un excellent gage de sûreté. Et du coup, cela va venir renforcer la valeur perçue de vos produits, puisque des produits qui sont fabriqués aux États-Unis ont déjà une certaine valeur, mais les produits qui sont fabriqués en France ont une valeur qui est encore plus élevée. Du coup, cela justifie le prix qui sera sensiblement plus élevé que si vous utilisez des plateformes américaines. Alors, détail très très important, il ne faut surtout pas dépendre que d'une seule plateforme de prix on demande. Voilà pourquoi je vous présente toujours plusieurs plateformes et je vous montre dans le programme complet prix on demande Academy Volume 2 comment exploiter chacune de ces plateformes, mais ne dépendez pas que d'une seule plateforme. C'est pour ça que dans les vidéos précédentes, du coup, je vous parlais beaucoup de Teezily puisque c'est ma plateforme préférée, du moins c'est la plateforme sur laquelle je vous montre mes résultats. Du coup, je vais vous montrer mes résultats sur cette plateforme. Ça sera intéressant également de voir. Rapidement, on va aller dans mon compte. Hop, voilà. Et là, on atterrit donc sur le tableau de bord. Donc, rapidement, pour revenir sur Tuntu, c'est une plateforme française de prix qu'on demande. Du coup, les produits sont fabriqués en France, les entrepôts sont en France et les produits sont d'excellente qualité. Je teste cette plateforme depuis maintenant plus d'un mois, d'accord, et les résultats que j'obtiens sont vraiment pas mal. Là encore, comme je vous l'ai dit, il ne s'agit pas seulement de la plateforme, il faut aussi une bonne stratégie marketing pour obtenir des bons résultats. Mais évidemment, pour fidéliser vos clients, il faut que les produits soient d'excellente qualité. Et du coup, proposer des produits avec Tuntu, qui est une plateforme française, cela vous permet de proposer des produits qui sont d'excellente qualité. Autre avantage également avec Tuntu, en plus d'être français, c'est que vous allez pouvoir vendre vos produits sans avoir à créer de boutique Shopify. Du coup, c'est exactement comme sur Teship, comme sur Teezily, comme sur Teespring. C'est le même concept, c'est-à-dire que depuis Tuntu, vous allez pouvoir créer des campagnes ou créer votre propre boutique Tuntu. Ça se fait très très rapidement. On le voit en bonus dans le programme complet pour ton demande Academy, comment créer ces boutiques avec Tuntu. C'est très important d'avoir plusieurs plateformes, plusieurs petites boutiques sur plusieurs thématiques pour pouvoir diversifier ses gains et augmenter évidemment ses gains. Du coup, ici, on a les revenus donc pour toutes les ventes que j'ai fait depuis plus d'un mois, puisque ça fait plus d'un mois que je teste cette plateforme. Sinon, je ne vous aurais pas présenté cette plateforme si sans savoir si je pourrais obtenir de bons résultats ou pas. Ici, ce sont des bénéfices. Donc, on a en tout pour plus de 7000 euros de bénéfices pour 386 produits vendus, donc un panier moyen autour des 20 euros par client. Et ici, ce sont les ventes en cours. C'est-à-dire que au moment où on parle, ce sont les ventes qui sont en train de se faire actuellement. On est déjà à 211 euros. Ici, c'est les gains qui sont en attente, puisque évidemment, quand vous venez faire une vente, il faut une certaine période pour valider ces gains, pour voir s'il n'y a pas une demande de remboursement ou autre. Donc ça, ce sont les bénéfices du coup pour le moment qui sont en cours. La journée n'est pas encore finie, donc du coup ça devrait augmenter. Si on regarde du coup pour hier, on a 425 euros pour 23 produits, donc pareil, on est à un panier moyen aux alentours des 20 euros par client. Et voilà, donc ça, ce sont les résultats pour tout. Comme vous voyez ici, donc je vais revenir ici et on a donc, on va marquer ici donc tout e-shop design campagne. Là, ce sont les bénéfices en tout et on peut voir que
Il y a les bénéfices pour la boutique que l'on a créée si l'on crée une boutique Tuntu, donc ce n'est pas obligatoire, et pour les campagnes que l'on crée. Parce que sur Tuntu, vous pouvez soit lancer des campagnes et faire la promotion de vos campagnes directement, je vais vous montrer dans quelques instants comment faire, soit créer carrément une boutique sur Tuntu avec plusieurs produits, des produits d'appel et des produits complémentaires, des upsells comme on dit, et ainsi générer plus de ventes. Donc ici, si on va sur eShop, on est à 3124 euros pour 153 produits vendus. Donc ça signifie que sur les 7150 euros que j'ai obtenus, à peu près 40% de ces revenus proviennent de la boutique eShop que j'ai créée sur Tuntu. Ça signifie que tout le reste provient des campagnes marketing que j'ai faites, c'est-à-dire des campagnes où il n'y a pas de boutique. Je crée une campagne et je diffuse cette campagne à travers des réseaux sociaux. Mais de vous à moi, c'est vraiment plus intéressant sur du moyen long terme de créer une boutique e-shop. Ça sera très intéressant quand vous devrez ensuite faire du marketing d'influence, puisque le marketing d'influence avec les influenceurs, avec Instagram, les youtubeurs, etc., c'est vraiment ce qu'il y a de mieux quand on fait du print on demand. Le marketing d'influence, quand on fait du dropshipping, c'est déjà plus compliqué puisque c'est difficile de faire livrer ces produits à ces influenceurs vu que cela prend plus d'un mois pour faire livrer. Mais ici, il s'agit de vêtements. Les délais de livraison sont à peu près de 5 jours ouvrés. Donc 5 jours ouvrés, c'est très très peu. Vos influenceurs vont recevoir vos produits, vont faire la promotion de vos produits, créer des jeux concours, etc. Ainsi, vous allez pouvoir créer une véritable image de marque très importante pour ensuite générer pas mal de ventes et pour fidéliser vos clients. Voilà, donc comme vous le voyez, le tableau de bord de Tuntu est vraiment très très simple à comprendre. Il y a le tableau de bord ici, on a les commandes ici, on a les options ici, c'est-à-dire vos paramètres pour entrer vos coordonnées bancaires, etc. Donc oui, justement, pour le paiement de vos commissions, cela se fera soit par PayPal, si vous avez un compte PayPal, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte PayPal Business, soit directement sur votre compte bancaire, quel qu'il soit. Vous pouvez créer un compte en ligne spécialement pour ça, ou votre compte bancaire, je dirais pas personnel, puisque vous allez ensuite créer une activité de micro-entrepreneur, donc c'est plus intéressant de créer un compte professionnel pour vos activités professionnelles, mais en tout cas, vous n'aurez pas besoin de Stripe, pas besoin de PayPal Business, vous n'aurez pas besoin d'encaisser des paiements, puisque c'est Tuntu qui se charge d'absolument tout. Ici, vous avez donc le e-shop. Le e-shop, c'est pour créer votre boutique. Donc, vous avez le choix entre la boutique Tuntu directement ou boutique API. Boutique API, c'est une clé de connexion pour lier vos produits, pour lier les articles que vous aurez à des CMS comme Shopify ou comme WordPress, enfin WooCommerce ou PrestaShop. D'accord? Mais pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter avec Shopify, tout cela, vous avez la boutique Tuntu pour créer vraiment votre univers depuis Tuntu sans avoir à payer d'abonnement sur Shopify puisque Tuntu c'est 100% gratuit. On verra ensemble dans le programme complet comment créer ces différentes boutiques puisqu'il y a Tuntu, il y a Teespring, Teezily, etc. Et sachez également qu'avec Tuntu, vous pouvez créer plusieurs boutiques dans plusieurs thématiques différentes, dans plusieurs niches différentes. Ensuite, on a les designs ici. Donc, si vous avez des designs, ben, vous allez pouvoir les importer. Chose intéressante qu'on va voir dans quelques instants, sur Tuntu, vous aurez la possibilité d'acheter des designs directement depuis Tuntu. D'accord? Des designs qui coûtent à peu près 3 euros ou 4 euros. Ça va venir s'ajouter au prix de vente final. Donc, du coup, vous n'aurez rien à débourser. Quand vous allez générer une vente, il y aura donc le prix du produit en soi, donc de l'article, donc du t-shirt, de la casquette, etc. Et vous aurez également le prix du motif, du design, si vous avez mis un design payant depuis Tuntu, si vous avez acheté, entre guillemets, un design sur Tuntu. Mais encore une fois, si vous êtes membre du programme complet Prix ton demande Academy Volume 2, vous recevez automatiquement un pack de 250 designs professionnels, c'est offert en bonus, pour pouvoir vous lancer tout de suite sans avoir à perdre de temps dans la création de design, dans le sourcing de design, etc. Donc, ensuite, vous avez les campagnes, c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Vous allez pouvoir donc créer des campagnes. Donc, je vais cliquer ici sur campagne. Voilà, et ici, donc, ben moi j'ai déjà quelques campagnes qui sont en cours pour le moment. Vous n'aurez aucune campagne du coup, donc vous irez dans créer une campagne directement. Hop, voilà, donc là ça vous ouvre un nouvel onglet. Donc on attend que ça charge. Voilà, donc là ensuite on va changer de produit puisque là
on va partir sur une collection automne. C'est très important de vendre en fonction des saisons, collection printemps, collection hiver, collection automne, etc. Et là, du coup, vous avez toute une gamme de produits. Chose qui est très intéressante également avec Tuntu, c'est qu'ils ont énormément de produits, des produits en tout genre, des produits que l'on ne va pas retrouver forcément sur d'autres plateformes comme Teespring ou même Teeship ou même Teezily. Par exemple, des vêtements comme ceci, on ne retrouverait pas ce style de vêtements par exemple sur Teespring. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Il y a même des caleçons, on peut vraiment faire de très très belles choses avec cette plateforme. On a des chemises, mais des belles chemises qui plus est. On a vraiment vraiment de tout. Donc ça, c'est vraiment une gamme pour hommes. Il y a la gamme pour femmes évidemment, la gamme pour enfants et les accessoires. Bon, les accessoires mis à part la casquette, ça sera pas intéressant. Vous avez donc tous les styles de vêtements. Par exemple, on a les vêtements de travail, les vêtements de sport. Donc vous pouvez vraiment créer une marque spécialement pour le sport, par exemple. Vous avez, comme je vous le disais, des sous-vêtements, mais également des vêtements éthiques. Si vous voulez créer, par exemple, si vous voulez viser une niche éthique, une niche économique, ben là, ça a vraiment cartonné. Qui plus est, il s'agit de produits made in France. Donc ça va venir renforcer le côté éthique de la chose, puisque ce ne sont pas des produits qui sont faits outre-Atlantique ou même pire en Asie. Donc, par exemple, on voit ici dans les enfants. On verra que l'on a vraiment de tout. Donc là, la connexion bug un peu, mais on voit donc des linges de maison, on a des doudous, on a des bodys, on a des bavoirs, des tabliers, et même des vêtements de sport également pour enfants. Donc là, les collections sont vraiment très, très, très fournies. Les gammes sont très fournies. C'est vraiment l'une des plateformes où les gammes sont les plus fournies, qui plus est de la bonne qualité, donc à ne pas négliger. Donc pour revenir à notre exemple, on va rester sur du classique, donc homme. Et on va prendre quelque chose de relativement simple, c'est-à-dire celui-ci. Quelque chose de vraiment simple pour l'exemple. Ou même pas, on va prendre celui-ci carrément. Voilà, donc suite indémodable à col rond, coupe ample, look streetwear tendance. On va prendre choisir. Et voilà, maintenant que le vêtement est choisi, on va ensuite choisir un motif. Donc vous aurez le choix, comme je vous le disais, entre choisir un motif et télécharger une image. Vous pouvez choisir un motif de Tuntu. Donc comme je vous le disais, ce sont des motifs qui sont payants. Donc vous allez devoir, le coût de ces motifs vont venir s'ajouter au prix final de votre produit. Donc à l'instant T, vous n'aurez rien à débourser, mais ça va venir augmenter au final le coût de vos produits. Comme je vous le disais, en rejoignant le programme complet Prêt-on-demande Academy, vous allez recevoir un pack de 250 designs. Donc vous n'aurez pas forcément besoin de venir trouver votre inspiration ici, mais au moins vous savez que vous avez cette option de design payant, certes, mais au moins des designs qui sont là pour faire votre bonheur. Donc nous, on va prendre un design au hasard, vraiment pour faire cet exemple. Alors, vous voyez ici que vous avez vraiment pour tous les goûts. Par exemple, on va dans sport, et bien vous verrez que vous aurez différents motifs, et vous verrez également que vous avez plusieurs thématiques, plusieurs sous-thématiques. D'accord? Donc dans sport, on a le foot, on a le rugby, la musculation, le crossfit. Pour l'exemple, on va aller dans crossfit, qui est une bonne niche, qui plus est. Et on va choisir train hard or go home, donc s'entraîner dur ou rentrer à la maison. Voilà, donc on choisit. Voilà, et là le design ici, du coup, on peut le rapetisser. Par exemple, on peut le rapetisser pour le mettre ici, ou on peut l'agrandir. L'important, c'est de ne pas sortir du cadre ici. D'accord, on peut l'agrandir comme ça. Alors, une chose aussi qu'il faut savoir sur Tuntu, c'est que vous pouvez rajouter du texte, mais vous ne pouvez pas le faire quand vous créez une campagne. Vous pouvez le faire uniquement quand vous créez votre e-shop, votre boutique Tuntu. Ainsi, vous pouvez mettre un logo et mettre un texte dessus directement ici. Mais là, ce n'est pas possible puisqu'on crée une campagne. Voilà, ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez ici choisir les couleurs ici. On a déjà une partie de la description qui est faite et vous pourrez aller dans l'étape suivante. Voilà. Ici, dans l'étape suivante, vous aurez votre estimation. Alors, en fonction du prix de vente. Donc, le prix de vente ici, on va le mettre à 24,90.
Et ainsi, on a une estimation. C'est-à-dire que si vous ne vendez que 80 produits, vous ferez 928 euros de bénéfice. Si vous avez une estimation à 150 produits, 150 produits, vous aurez un bénéfice net de 1740 euros. Tous les frais inclus. Donc du coup, ça sera vraiment l'argent qui va rentrer dans votre poche. Ensuite, au niveau des couleurs ici, vous allez pouvoir les sélectionner ou les désélectionner, puisque là, toutes les couleurs sont sélectionnées par défaut. Voilà. Ensuite, ici... par exemple, là c'est en gris, la couleur pour la présentation, on peut le mettre en blanc par exemple. Voilà, donc ensuite il vous faudra simplement passer au titre de la campagne, description de la campagne. Là ensuite vous aurez à choisir la date de fin de la campagne. Ensuite ici vous aurez l'URL de votre campagne. Donc URL, on va mettre. Ensuite, ici, dans Options de livraison, vous avez quelque chose qui est intéressant, même si je pense que vous ne l'appliquerez pas, mais c'est quand même intéressant, surtout tout, c'est que vous pouvez livrer en main propre vos prospects. C'est-à-dire que si vos clients sont proches de vous, vous pouvez leur proposer de venir chercher leur commande auprès de vous. Donc, évidemment, vous n'allez pas appliquer cette option, puisque l'objectif ici, c'est de vendre un maximum à travers toute la France, toute la Belgique, etc. Donc, du coup, vous n'allez pas prendre cette option. Et ne pas oublier de cliquer ici pour relancer la campagne automatiquement. Voilà, donc une fois que vous aurez mis votre titre, alors pour le titre, c'est très important de mettre un titre intéressant pour le référencement naturel. Voilà, donc Train Hard or Go Home. Voilà, 2019. Train Hard or Go Home. Voilà, donc maintenant le titre est mis, vous allez ensuite passer à la description de votre produit. Et une fois que tout est fait, vous n'aurez plus qu'à cliquer ici sur lancer la campagne. Et une fois que vous aurez cliqué sur lancer la campagne, vous allez pouvoir récupérer votre lien, votre URL et commencer à faire la promotion de cette URL. Pour aller plus loin, il y a plusieurs stratégies pour vraiment aller beaucoup plus loin, puisque pour générer beaucoup de ventes, vous vous doutez bien qu'il faut faire bien plus que cela. Entre autres, par exemple, utiliser, comme je vous le disais, les influenceurs, utiliser également des mock-ups pour que des mannequins en fait portent ce vêtement, puisque promouvoir votre article juste comme ça sera plus difficile de faire des ventes. Il faut vraiment qu'il y ait des personnes, des êtres humains qui portent votre vêtement, au moins qui portent un vêtement avec votre logo dessus. C'est vraiment très très important qu'il y ait des êtres humains, que vos prospects voient d'autres personnes comme eux porter votre article. Ok? Pour ça, il y a des sites spécialisés où vous allez pouvoir prendre des mock-ups, c'est-à-dire des personnes qui portent des vêtements vierges, et vous allez apposer votre design sur ces vêtements vierges. Donc du coup, on aura l'impression que ce seront des mannequins, des vrais mannequins qui posent avec votre vêtement dessus. À côté de ça, évidemment, il y a les influenceurs à qui vous allez envoyer vos articles, demander à ces influenceurs ensuite de faire la promotion de ces articles pour vous. Vous pouvez également mettre en place des programmes d'affiliation avec les influenceurs, avec d'autres personnes. Il y a vraiment pas mal de choses à faire et ça, on le voit dans le programme complet. Mais ici, dans les grandes lignes, vous voyez comment lancer une campagne. Après, pour promouvoir cette campagne, il faut appliquer évidemment des méthodologies, des process approuvés. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour avoir tout suivi. Pour ceux qui veulent se lancer dès maintenant dans le prix ton demande et générer leur premier revenu, notre programme Prix ton demande Académie volume 2 est toujours disponible. Vous recevrez automatiquement plus de 15 heures de formation vidéo. Vous apprendrez toutes les stratégies pour passer de 0 à 1000 euros par jour en 7 jours, sans stock et sans site internet, sans forcément créer de boutique Shopify, etc. Vous verrez bien entendu comment faire du prêt ton demande sans boutique en passant uniquement par les plateformes. Vous verrez également comment faire du prêt ton demande avec boutique, avec Shopify notamment. Et en bonus, vous recevrez un pack de 250 designs professionnels. Je répète que tout le monde ne reçoit pas les mêmes designs pour ne pas que tout le monde soit en compétition avec tout le monde. Vous recevrez donc plus de 200 designs dans des thématiques, des niches différentes pour vous lancer dès maintenant sans avoir à perdre du temps dans le sourcing et création de designs. Puisque je sais que ça rebute pas mal de monde. Donc ici, vous aurez un pack de designs pour vous lancer dès maintenant. Voilà, donc si vous êtes intéressé, passez à l'action rapidement puisque ce programme ne restera pas disponible indéfiniment. Et pour les autres, ben, n'hésitez pas, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire de cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre et on se donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt!